Voyons quelques variantes pour la chanson « Lave-toi les mains ». On va ajouter un petit glissé. C'est comme dans la chanson originale. Donc sur le deuxième temps, à la fin, 1, 2, 3, 4, 4 mouvements premier temps. Deuxième temps, 1, 2, 3, 4, la case avant. Et pendant le mouvement 1 du troisième temps, je descends dans le vide en glissant. Voilà, j'ai glissé. Quatrième mouvement, premier mouvement, j'ai glissé en appuyant bien partout. Sinon, on n'entend plus rien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On va le faire que sur la moitié du Do, parce qu'après on passe au Sol, on ne va pas faire un glissé. Pour arriver sur le Sol, on fera au milieu du Sol. Sur le premier mouvement du premier temps de chaque accord, on peut faire la basse. Voilà, déjà, c'est pas très compliqué. J'en parle dans le dossier reggae. La suite, nous allons ajouter une petite montée de basse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le mi à vide, avec un ré, c'est pas grave. Le fa dièse, avec son octave fa dièse, et sol. Je reprends. Alors j'ai fait ça sur le 1, sur le quatrième temps. Là pareil sur le quatrième temps, avant de retourner au Do. Sol, La, Si, Ré, Do. C'est un exemple, hein, on peut en faire plein. Une autre variante en utilisant le petit doigt sur la corde sol qui va aller se poser sur les cordes de mi ou si. Comme ça. On pourrait même utiliser la corde de sol. C'est parti. Les gens sautent des toilettes sans passer par le lavabo. Voilà, on répond au chant. Ça donne quelques idées. Ensuite, on peut inventer plein de choses, hein, utiliser les différentes positions d'accords. Vous avez un Do ici, on le retrouve en position de Mi, avec un barré en 8e case. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le Sol, on le retrouve en position de Ré, ici là, avec un barré, c'est pratique. On pourra même utiliser le petit doigt en 10e case, là le barré est en 7e case. Exemple. Les gens qui sortent des toilettes sans passer par le lavabo, te tends la main, mais tu les arrêtes. Comment leur dire qu'ils sont crados, etc. Pour ceux qui peuvent aller dans les aigus, on pourrait utiliser la position de Ré pour l'accord de Do, en 12e case, barré là, et deuxième doigt. Le Ré que j'ai utilisé juste avant, ici avec un petit Ré, barré de cordes, deuxième doigt en plus sur la troisième corde. Le Sol, on l'a ici, soit on fait trois cordes, soit on met comme ça, mais on ne joue pas le aigu. A vous de voir les mélanges que vous voulez faire. Hein. Donc, Do, 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 Sol, 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 le Ré, à la fin du couplet, Ré. Bon, après, on a encore un Ré ici. Ou Ré ici. Voilà, amusez-vous bien.